Deux secondes. Il est où là, monsieur Robert? Bonjour, monsieur. Vous souhaitez rencontrer monsieur Robert? Oui, j'aimerais bien le voir, j'ai deux mots à lui dire. Monsieur Robert n'est pas disponible pour l'instant. Puis-je vous renseigner? Non, c'est lui que je veux voir. Ah bah tiens, je le vois. J'en ai pour 2 minutes. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Robert ne vous répondra pas si vous forcez sa porte. Si vous voulez trouver une solution, je peux regarder sur votre compte. Bon, écoutez, il y a votre machine là qui a avalé ma carte. Mon compte est bloqué parce que je suis en négatif alors que j'ai déposé un gros chèque il y a 4 jours. Et je dois prendre un train dans 1 heure parce que je pars pour la semaine, il me faut 500 euros tout de suite. Vous pouvez patienter un instant, s'il vous plaît? Merci. Je m'occupe de vous, suivez-moi. Tu peux nous laisser un instant, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Alors, connaissez-vous votre numéro de client? Ah non, je me balade pas avec. Puis en plus, il était sur la carte que votre machine m'a avalée. Bah écoutez, c'est pas de ma faute si la machine a retenu votre carte. Vous êtes monsieur? Tornay, Jack Tornay. Alors en effet, vous avez déposé un chèque qui couvre largement votre crédit, mais comme il est tiré d'une banque étrangère, le délai de crédit est plus important. Mais je n'ai rien à faire de vos délais, j'ai mis de l'argent, je veux le récupérer. Ah bah pour ça, il fallait prévoir avant. C'est à vous d'anticiper les règlements. Maintenant, je vais vous expliquer comment sont crédités les différents moyens de paiement. Oui bon, j'ai pas le temps de vous écouter, là vous me donnez de quoi faire mon voyage, c'est tout ce que je vous demande. Bon bah, je vais voir si monsieur Robert peut faire quelque chose. Bah, je croyais qu'on pouvait pas le déranger. Enfin, c'était pour finir chez lui, hein. C'était pas la peine de passer ici. Bon, monsieur Robert, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? J'ai besoin de vous, c'est maintenant. Vous voyez l'accueil? Est-ce que vous avez un problème? Non, non, l'accueil, je m'en fous, j'ai besoin de vous. Vous avez un peu de correction, monsieur, s'il vous plaît. De quoi? Non, de la correction, c'est moi qui ai besoin de vous et qui ai besoin de service. C'est évidemment aussi pour le service. Vous voyez l'accueil? Vous me laissez parler d'abord. Je prends vraiment, je m'en fous, ça, l'accueil.